je crois que tout homme sur Terre, à des moments, se sent révolutionnaire. Il faut toujours lutter dans la vie. Et mon expérience donc, de très vieille femme, c'est quand on s'acharne, on est toujours vainqueur. Mais il faut s'acharner, aller jusqu'au bout, du bout, continuer jusqu'à ce qu'on transforme quelque chose. On ne transforme pas le monde, mais on doit transformer quelque chose dans le monde. Chaque être humain doit le faire. Sinon, c'est bête, c'est même macabre, ça n'a pas de sens. Et il y a tant de gens dont on ne parle jamais et qui savent aimer. Je l'ai rencontré, vraiment, j'ai été dans les 5 continents. Et c'est ça qui m'a donné ce punch. C'est de voir à quel point l'homme a une valeur. L'homme est capable de choses mais extraordinaires, jour par jour, sans paraître à la télévision, justement. L'homme n'est qu'un roseau. On dit, ben ça c'est vrai, ça pour le coup, hein. Mais, est le plus fragile de l'univers, mais c'est un roseau pensant. Je ne connaissais pas encore Descartes, je pense où je suis, mais je pense. Et tout à coup, je me suis rendu compte que vivre, mais c'est penser. C'est ça un homme, une femme, ça pense.